Salut tout le monde, c'est Brocors, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 11e épisode de Narita Boy, donc sans plus attendre, c'est parti, direct. Alors, je viens d'affronter un pirate, oui, un pirate. Pour accéder ici, il me faut une clé. Ok. Bonjour monsieur. L'accès à la onsen a été condamné, un puissant étalon est apparu à l'intérieur et le protocole d'urgence a été activé. Pour entrer, vous aurez besoin de deux technoclés d'accès, la technoclé des technocrates et sa technoclé sœur du clan Azur. En tant que membre du comité progressif, je peux vous dire que la copie des technocrates est gardée par la réceptionniste du centre d'information touristique SIT. Faut que je retourne au SIT, est-ce que c'est sérieux? Vraiment? Très bien, eh bien, en avant. Mais d'abord, restons-y. Ah, là j'ai un truc à activer. Je me donne une scène et des sources chaudes, ok. Salut les mecs. Comment ça se passe ici? Narita Boy, bienvenue à la maison du rayon Azur, demeure des technocrates et du clan Azur. N'oubliez pas que votre mission est de libérer les mémoires du créateur qui émerge du code de cette région. Rendez-vous à l'Onsen, les sources chaudes. À l'intérieur se trouve une des mémoires qu'il vous faut libérer. Merci monsieur. Fort aimable. Et eux là, je peux rien faire avec eux? Mais mec, est-ce que je peux pas prier pour vous? Pas du tout. On fera ça une autre fois. Magnifique. Je vais devoir retourner au site, c'est carrément de l'autre côté, ça va être terrible. Avertissement, n'oubliez pas que seuls les programmes de la maison du rayon Azur peuvent interagir avec l'ensemble des fonctions et des événements de la simulation Azur, comme cette flaque par exemple. Notre code n'est pas finalisé, et par voie de conséquence, il va y avoir des conflits de niveau primaire avec, sur les collisions, les physiques, les algorithmes, etc. Pardon de ne pas pouvoir donner plus de précisions, mais c'est une affaire hautement complexe. En fait, j'ai écrit mon mémoire de thèse sur ce problème à l'université trinaire de la capitale. Quoi qu'il en soit, sauter par-dessus de ces flaques, ça me dit quelque chose. Est-ce que je l'ai pas déjà croisé, ce mec? Est-ce que c'était le début, ici? Ben ouais, c'était le début. Attendez, est-ce que j'ai fait le tour du monde? Incroyable! Nouvelle technoclé trouvée. Ok, c'était le site, ça? Ils sont sérieux? Attendez, moi je repasse par là. Ou pas? Lui il est toujours pas activé. Il y a pas un truc, il faut que je claque des mains dans le coin là. Peut-être là-haut. Pas du tout. Donc là c'est les deux clés. Je peux pas encore activer, ok. Là c'était Bob le pirate. Je suis full perdu là. Oh,
Terrible. Allez, Nerita, bouge-toi le cul. Bouge-toi les pixels, mon pote. Ça passe. Attendez, attendez, je pense à un truc. Le mec du site là, il va filer une clé. Ouais, d'accord. C'est pas le site en plus, c'est un bar. Non. Voilà, évidemment. Je vais faire une grosse bêtise. Ah, un nouveau coup, ça c'est bien. Utilisez frappe culminante en l'air pour réaliser une attaque de zone. Vous pouvez aussi vous en servir pour traverser les planchers numériques. D'accord. Oh, c'est nice. Genre ça. Grab. Super. Et toi, tu vas manger la totale. Les deux, ça c'est pas mal. Par contre, ce qui m'emmerde, excusez mon langage, hein, mais aïe, c'est que j'arrive pas à lui passer par dessus. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Aïe, il est sérieux lui? Il est costaud, Grab. Ah oui, d'accord. Pas esquiver, c'est terrible. Avec ça, toi. Oh la vache.
Salut les mecs. Nous, les anciens de la cascade, nous avons été invoqués. Narita Boy, l'azur est puissant en vous. Fort comme l'esprit que vous faites naître dans les maisons du Trichrome, aux quatre coins du royaume numérique. Nous savons pourquoi vous nous avez appelés. Vous cherchez la technoclé, celle qui vous permettra d'accéder à ce qui fait l'orgueil de notre maison, l'Onsen du rayon azur. La personne qui en était responsable nous a demandé de la garder précieusement au cas où il arriverait quelque chose ou si vous veniez la réclamer. Du coup, la voilà. Souvenez-vous que vous aurez besoin de sa technoclé sœur, la copie du clan Azur. L'Onsen possède un double verrouillage, à l'instar de la maison du roi du rayon Azur. Pour entrer, il vous faut en comprendre la dualité. Narita Boy, au plus profond de la méditation de l'assimilation Azur, nous soutenons votre combat. Notre code vous recouvrira et vous protégera, comme celui des innombrables sages et anciens de tout le royaume numérique. Un réseau existe, invisible, mystique et à peine perceptible, grâce auquel nous pouvons subtilement vous aider à devenir le meilleur héros ayant foulé le sol hexadécimal du royaume numérique. Bonne chance, fils du Trichrome. Merci les gars. Très bien, et bien on se casse. Comment est-ce que je puisse sortir ma super planche ici? Tout à fait. Très bien, c'est useless. Et c'est la chute. Ok. Donc là, il n'y avait plus rien, on est d'accord. Hein. Ouais. Salut les bros, à la prochaine. Donc, par là-bas, on a le phare. Avec Monsieur Flack. Pourquoi je m'embête? Qu'est-ce que je veux dire? Salut les mecs! Dommage. Oh, c'est toujours la même. Avouez, vous avez serré les fesses. Hein. Voilà aussi. Hein.
Aïe! Aïe, aïe, aïe! Ça passe. Mon pote le pirate de tout à l'heure, très bien. Et donc en fait, ouais, on fait vraiment le tour. Alors, et de une. Du coup, je peux aller prier ça. Ça, c'est nice. Au secours. Alors. Ah, ça, je peux le péter. Salut! Moi, c'est Narita Boy. Oui, gros Bob. Vous m'avez trouvé. Je vous cherchais moi aussi. Je suis le gourou du clan Azur. Enfin, un parmi beaucoup d'autres. On m'a confié la tâche de garder la technoclé du clan Azur. Et de l'exemplaire qui ouvre les portes scellées de l'Onsen. De sources chaudes. Ouais, de sources chaudes. Tenez avec cette clé et la technoclé des technocrates, vous pouvez accéder à l'Onsen, libérer la mémoire du créateur. Et chasser les étalons. On murmure que c'est un poisson étalon qui cause tout ce grabuge là-dedans. Vous savez quoi, Narita Boy? Depuis la scission entre les technocrates et le clan Azur, la seule chose qui nous réunit, qui nous rassemble, c'est l'Onsen, nos sources chaudes. Là, immergés dans les eaux purifiées de la simulation Azur, nous conversons, nous partageons nos savoirs et nous parvenons progressivement à accepter que nos visions divergent sur l'interprétation du code du rayon de la maison Azur. Ok. Donc il m'a filé la clé, il est gentil. Merci mon pote. On a le code juste à côté, c'est bien. Donc. Pardon ? Je me suis trompé. Le premier, c'est ça. Le second, c'est ça. Ah ben voilà. Oui, je me suis trompé. Et alors? Hop, on va ouvrir. C'est nice. Plein de rebolets et boulons à l'air, ou comment ça va se passer? Narita Boy, nous avons scellé la porte menant au grand bain. Il y a là-bas un péril affreux sous la forme d'un étalon carpe malveillant. Il gobe nos clients et les efface à jamais du code source. Le problème, c'est que cette aberration aquatique bloque l'accès aux mémoires du créateur. Il existe une technoclé avec des journaux de sécurité qui peuvent rouvrir à la porte des grands bains. Le Taiko Sensei peut vous aider à la trouver. Quel dommage que vous ne puissiez pas profiter plus longtemps de votre séjour. Nous espérons que vous reviendrez nous voir en des circonstances plus apaisées. C'est possible. C'est possible. Donc là, j'ai pas la clé, on s'en fout. Merci, mon pote. Je me remets dehors, c'est terrible. C'est vraiment, hein, faites comme si vous avez rien vu. Attends, faut que je refasse ça. Terrible. Merci Bob. Donc comment je monte là du coup? Mais qu'est-ce que j'ai fait là? N'importe quoi. Mais what the fuck? Hmm.
Est-ce que je peux m'agripper à ça? Non. Pas du tout. Non plus. Mais non. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je zappe là? D'avoir un truc évident. Il veut que je monte, mais je monte comment? C'est chiant. Bob, tu dis quoi? Toi, tu parles pas, toi. Il est pas bavard, lui. Il me dit rien, putain. Terrible. Est-ce que je zappe un truc évident? Pas. Il veut pas s'accrocher au mur. Ah, attendez, je crois que j'ai compris. Pas du tout. Je pensais que c'était, ça pouvait s'exploser, mais pas du tout. Ah! J'ai resté une force. Je vais trouver. Je suis bloqué sur un truc qui est même pas une énigme. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Le Reaper. Ah, super. J'ai compris que le code est plus simple. Follement élégant. Mais en est-il vraiment venu à éteindre les arborescences avec toute la programmation que nous avons réalisée? Là, il y a une porte. Attendez, je check parce que je vais pas faire n'importe quoi non plus. Et je viens d'ici. Ok. Ah, c'est one sense. Se lève le cul ici. Mais sale bête.
Oh, bon voilà. Très bien. Et mais nous, cette technoclé de ses morts. Taper pareil. Ça change tout ça. Nice. Alors, où est-ce qu'on est maintenant? Salut. Nakunaknak, très bien. Ah, petit symbole. Allez, je note comme d'habitude. Trois trucs comme ça, jeune. Ouais. Et donc. Attends, c'est pas vrai tout, si? Tout, c'est pas possible. Je les appelle un truc. Il y a un passage là. On se fout de ma gueule. De l'autre côté peut-être. Faut que je teste. Ou pas. Ok, ça c'est fait. Est-ce que ça veut dire que j'aurais dû trouver les trois symboles? Je suis obligé d'aller voir, parce que si les symboles sont effectivement ici et que je les ai loupés, ça serait vraiment dommage. Oui. Non. Est-ce que c'est un symbole qu'il a sur le torse, lui? Il n'y a pas de symbole qui ressemble à ça, si. Bon, je vais le noter quand même, on ne sait jamais. Le fameux poids sky. Aïe. Je dois faire quoi? Parce que je peux pas taper là-dessus. Ah, là je peux taper. J'ai pas mal. T'es pas au courant, mais j'ai pas. Ah d'accord. Ouah, wow, faut savoir. Aïe! Aïe!
rien voir. Oh, il va être chiant, lui. Est-ce que vous sentez qu'il va être chiant? Ouais, mais calme-toi, le poisson. Ouf, c'est pas passé loin. Dégâts gratis. Ouh, c'était chaud. Hop là. Hop là. Il est où? Hey. Comment j'esquive? Ah, c'est une plateforme, ça, là-haut, peut-être. Évidemment. Non, mais vas-y, sors sous mes pieds, je te dirai rien. Allez, Nerita Boy, cette fois c'est la bonne. Une attaque vers le bas, ça n'a pas fonctionné. Très bien. Bah oui. Oh la vache, enfin, je me plante. Hein. Ah, j'ai essayé de sauter, j'ai pas réussi. Tant pis, c'est pas grave. Ouf, ah oui, mais bien sûr. T'as qu'à faire. Hein.
Ok, nice. Enfin. Il était temps. Mais les amis, vous savez quoi? Nous allons arrêter cet épisode ici. Il est déjà beaucoup trop long, donc on se retrouvera dans le prochain épisode. Épisode 12 de Narita Boy. C'était Brocorse. Je vous dis à plus.